dégager le groupe, il mettait flotte dans la rue et tout matériel serait là, pompiers, et compressif, camion bascule et tracteur, juste pour nous capables à ce niveau maintenant. Parce que on gros ville de Coudelma pas obligé sale dans l'Italie là. Et de toute façon, matin, on a choisi de mettre l'équipe dans la rue juste pour nous capables de commencer à déconjonctionner les espaces pour nous capables d'évacuer l'occupation. Je suis tracté parce que je viens de passer moi pour nous reprendre nous. Juste pour nous faire une plus belle que je viens de dire. Tout ça, je viens de passer. Juste pour nous faire nous. Juste pour nous reprendre l'activité nous. Pour la réalité fouette. Pour ne pas nous faire de pour tout ça pour nous prendre la réalité activité nous. Pour ça, pour nous travailler normalement. Yeah.
comme ça parce que le commune est chargé avec Fatra, en pile immondice. Mais cependant, Mathieu a dégagé le rôle qu'on a, il mettait flotte dans la rue et tout le matériel serait là, pompiers, et compressif, camion bascule et tracteur, juste pour nous capables assainir maintenant. Parce que on a une ville de Coudelma, pas obligé sale dans l'Italie là. Et de toute façon, Mathieu a choisi de mettre l'équipe dans la rue juste pour nous capables de commencer à déconjonctionner l'espace pour nous capables d'évacuer l'occupation. C'est bon ici à suivre parce que et alors. Après tout le travail qui est venu passer, ville écrasée, grand pile poussière, et on regarde bien, on voit tout fait moto, lui, ça pas de cache, c'est avec les bosses de marine. Et d'abord, bien que les films nettoient et retirent tout et capacité des gars qui sont fait, et en plus, il y a un camion qui l'a nettoyé et qui a pris la rue pour éviter poussière, pour éviter maladie d'eau. C'est un bel travail qu'a fait, m'apprécie quand même. Parce que son propreté, son lavage qu'a fait, c'est ça qui est passé. Et bien, tout ce qui est fait là. M'apprécie tout, moi, mon comportement, tout va fonctionner très bien. Si c'est pour Delma, lui-même, ce bagage, juste nous, mes pays, nous, un pays avancé. Les activités ont repris timidement ce lundi 9 juillet au niveau de plusieurs zones de la capitale suite au mouvement de tension qui ont paralysé la région métropolitaine pendant les week-ends écoulés. Au niveau de la commune de Carrefour, le transport en commun a fonctionné à demi-tête car pas mal de gens sont sortis pour aller vaquer à leurs activités. Les responsables de la mairie de Carrefour se réjouissent d'avoir pu se mobiliser pour procéder au nettoyage et au déblayage de la voie publique. Mais Carrefour est toujours prêt lui-même, quitte gain événement, quitte pas gain événement, pour nous travailler pour la population, un service qui vous satisfait. Bon côté Carrefour, nous sommes très bien, grâce à Dieu. Oui. Nous-mêmes nous faisons effort. Hier soir, nous-mêmes ensemble avec Maïsra, nous sommes dans la rue à une heure dans le matin. Ça veut dire nous-mêmes, nous décidons pour nous faire commune propre et pour nous capables. Bay population et capé taxes, capé impôts, satisfaction et tout profiter di moun yo tout et client capé et taxes impôts pour encourager payer plus pour que nous même cap travail dans la rue pour capable payer nous à l'heure. Nous gagne même trois équipes dans la rue là cap frapper et ceci depuis hier n'a frappé dans la rue là juste pour nous satisfaire et Mounio qui a fréquenté la rue. Au niveau Carrefour, circulation après prendre timidement parce que maintenant pas bien toute activité ça. C'est au fur et à mesure machine et motocyclette y a prendre activité normale. Sous la supervision du maire Yuri Chevry, l'unité de voirie de la mairie de Port-au-Prince a débuté une campagne de nettoyage et d'assainissement au niveau de plusieurs quartiers de la capitale. Bourdon, Canapé Vert, ce sont entre autres les artères touchées par cette campagne. Le maire Yuri Chevry en a aussi profité pour exhorter les riverains à se calmer. Après deux jours d'arrêt en raison des mouvements de protestation contre l'augmentation des prix de l'essence, les activités ont repris ce lundi 9 juillet au niveau de l'aéroport international Toussaint Louverture. Dès les premières heures, les voyageurs qui attendaient leur vol étaient déjà sur les lieux. Et pour faciliter la reprise des activités, les responsables de l'aéroport international Toussaint Louverture et des lignes aériennes ont pris toute une série de dispositions pour pouvoir accompagner, orienter et assurer la sécurité de ces derniers. Voilà qui met fin à cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Bonne suite de programme sur la TNH.